Un atelier carrosserie flambant neuf, des employés dont la moyenne d'âge n'excède pas 30 ans. À Sauve, dans le Gard, cette enseigne a vu le jour au tout début de la crise sanitaire. Steven est né dans cette ville de moins de 2000 habitants et travailler au pays était presque pour lui impensable. Au début, on se posait un peu des questions. Et là que ça commence à prendre un peu le rythme, tout ça, on a recruté deux, trois carrossiers en plus. On en cherche encore, donc ça a pas mal évolué depuis le début janvier qu'on a ouvert. Ouais. Le garage, créé par des entrepreneurs locaux, a misé sur un recrutement de proximité pour se lancer. C'est celle qui vient d'arriver dans le parc, il y a deux jours. Erwan a commencé à travailler à 13 ans comme apprenti. Originaire du Piémont, Sévenol, il est aujourd'hui responsable des ventes. J'ai la motivation, donc j'étais prêt à partir n'importe où, mais c'est vrai que de trouver le côté local, c'est ce qui me plaisait, c'est ce que je recherchais, donc je suis satisfait. Ouais. L'entreprise a bénéficié, comme de nombreux commerces, des aides gouvernementales. L'enthousiasme des salariés et des gérants a fait le reste pour surmonter la crise. On est une entreprise quand même à échelle humaine, donc on est 12 ici, on a un autre garage à Quissac, on est au total sur les deux garages presque une trentaine de personnes, donc c'est quand même 30 personnes, c'est difficile à gérer, c'est compliqué. Heureusement ici, il y a une très bonne ambiance, tout le monde est très motivé. À Sauve, les emplois ne courent pas les rues. Alors quand une entreprise se lance pendant la plus grande crise sanitaire que le pays ait connue, on se serre les coudes entre commerçants. Ça bougeait pas mal, Sauve et tout, et avec cette pandémie, ça a tout... Tout s'est arrêté. On espère que ça reparte. Donc on fait en sorte de s'entraider. Le garage cherche aujourd'hui 3 emplois de mécanicien et de carrossier et envisage enfin une inauguration à la fin du mois.